Un tout autre sujet, on va se relâcher pendant les vacances. Il n'y a pas forcément de raison de le faire. Vous pouvez même choisir votre destination en fonction de votre sport favori et avec ceux qui le partagent, un peu sur le même modèle qu'une célèbre plateforme de location entre particuliers. C'est ce que nous montrent Lorraine Rimondi et Jean-Vincent Molinier. Une visite des lieux. Et la salle de bain. Parfait. Suivi d'un dernier coup d'œil à la météo avant de partir à la plage. Voilà, on a une vingtaine de nœuds, un petit peu moins, 17 nœuds à peu près. Aurélien et Stéphanie habitent près de Montpellier. Ils louent une chambre à Johan et Yvon pour la semaine. Tous les quatre sont des mordus de kitesurf. Ils se sont rencontrés via Sportihome, une plateforme d'hébergement entre particuliers qui met en relation des passionnés de sport. C'était pour partager ma passion au maximum. Et allier un petit peu le fait d'avoir une chambre de disponible, de pouvoir la louer occasionnellement, mais de sélectionner les gens qui viennent dans la chambre. Rapidement, la bande se met en route. Direction le Petit Travers à Carnon, une plage qu'Aurélien connaît bien. T'as un chenal qui va dévouer ici avec une petite zone tampon à chaque fois. Des conseils personnalisés, c'est ce qui fait toute la différence avec les hébergements classiques. Chaque spot a ses spécificités, quoi. Là, comme elle nous disait tout à l'heure. Ici, on a pied assez loin. Voilà, pour quelqu'un qui débute comme moi, c'est quand même assez sécurisant. Il donne les bonnes consignes de sécurité. Sportihome est une start-up montpelliéraine. Elle veut devenir la référence du tourisme sportif grâce à plusieurs formules. Aujourd'hui, sur la plateforme, il y a trois niveaux d'engagement. Il y a l'engagement juste hébergé. Il y a le niveau hébergé et conseillé. Donc là, la personne, elle partage des informations type guide des spots papier. Et après, il y a hébergé, conseillé et pratiquer ensemble, ce qui est aujourd'hui ce que nous, on recherche. Le site a le vent en poupe. Il accueille 500 nouveaux logements par mois en France et dans le monde.